21 août entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Les Guinéens ont décidé de fermer leur coude. Ce n'est même pas leur coude. Ils ont décidé de fermer le coude qui ravitaille le Cameroun et leur pays. Ils ont décidé de fermer ce coude-là. Puisque voilà l'eau qui descend, cette rivière-là qui descend pour aller ici, là, de côté, si nous sommes déjà au Cameroun. Et voilà de l'autre côté, entre le pont, entre les deux, entre le pont, de l'autre côté, c'est déjà la Guinée équatoriale. Bon, eux, maintenant, ils ont décidé de boucher ça du côté des Camerounais pour que l'eau ne puisse, plus circuler et ravitailler les Camerounais. Voilà ce qui se passe. Bon, on ne sait pas si c'est la libre, même la libre circulation des hommes, ils ont interdit, même au niveau de ce que la nature nous offre, même eux, ils interdisent même encore. Mais là, voilà, voilà d'autres Guinéens qui sont en train d'aller chez eux, qui sont sortis par le Cameroun, qui partent chez eux. Puisque nous tous, maintenant, on passe par la brousse. Tout le monde passe par la brousse. On ne sait pas ce qui se passe. Bon. Ils ont dit que c'est depuis Malabo. Ce sont les instructions depuis Malabo de fermer le coude qui ravitaille les deux pays. Bon, bonne journée à tous. La libre circulation, oui. Voilà.